Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours à Monaco. Mais là c'est une vidéo assez spéciale, vous l'aurez vu dans le titre et à la miniature. Il y a le Race Ball, c'est un gros, c'est une sorte de convoi avec que des voitures de fou. Donc vraiment j'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'il y a du très très lourd. Et ça va être incroyable, je pense que ça va être incroyable. Mais si c'est le cas, si cette vidéo vous plaît et que c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quelle voiture avez-vous préférée et si cette vidéo vous a plu bien sûr. Mes Insta sont dans la description, Insta de mon pote aussi également. Et puis à tout de suite. Voilà. Ah, et le volant de la RS3 tout en carbone. Valide le volant. Je valide. Ah, il est magnifique. Ah oui, je valide. C'est validé. Oh là là, la Lambo. La Lambo. Il y a tout, voilà, c'est magnifique. La Féfé 488. On n'a pas entendu. Incroyable, elle est à ras du sol. Oh yo yo. Et la RS6 bleue comme ça. Regardez, même les boulons, ils sont bleus. C'est fou. La RS6 qui se déchaîne aussi. Elle est très énervée. Là vraiment c'est juste une partie du convoi, c'est ça le pire. C'est qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Oh la Lambo, elle est incroyable. Là je vais y a de quoi péter un plomb là. C'est complètement dingue. C'est aberrant. Regardez la Lambo. Et cette RS3 en vert, elle est magnifique. Là, ce qui vient d'arriver, c'est fou. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est dingue. 488 et Lambo Huracan, Huracan Berf. Je sais même plus ce que j'ai dit. Huracan Spider et la RS6. Dingue qu'elle fait. Elle n'est pas réellement d'origine, je pense. Ça, c'est sûr. Regardez-moi ça. Elle est énervée. Et la RS6 à côté. Encore, hein. Ça arrive encore le Race Ball, la mini GP au fond là-bas. Oh yo yo, la chaleur. Et là, et la FF encore aussi, la FF. Oh, yo. Oh là là, c'est violent. Oh le Ripter. Oh non mais là c'est... Non mais là c'est incroyable. Oh yo. Non mais le Ripter. Putain c'est énorme. Bon du coup après cette Lamborghini de malade, on a une mini GP. Très insolente aussi avec ce covering. Très insolente hein. Incroyable, tombe pas. Elle fait de l'effet hein.
très joli. Regardez-moi ça, M6. M6, elle est... Je vous mets en plan large encore une fois. Cette M6 aussi, elle est diabolique, elle a l'air diabolique. Vraiment. Mais là, la Lamborghini, j'étais pas prêt. Oh, je te jure, le rupteur. Et la petite 718. 718 Boxster rouge à côté, ici. Je pense que je vais faire une vidéo supplémentaire, hein, au moins. Parce que là, elle va être longue. S'il y en a plein comme ça qui arrivent d'un coup, ça va être très long. On continue ce race ball avec une M4. Magnifique M4, bleue comme ça. Elle est sublime. Et là, et juste derrière, il y a une classe, enfin une C63. Pareil, trop belle, noire et jaune. Mais là, la M4, elle est dingue. Et là, il y a une turbo qui arrive aussi. Bon, elle fait pas partie du lot, mais... Il y a plein de trucs qui passent là, c'est dingue, c'est incroyable. Aujourd'hui là, je vous mets en grand angle, encore une fois, désolé. Mais là, c'est... M4 CS en plus. Et là, la C63 AMG. Incroyable aussi, en jaune et noir et bleu du coup, parce qu'il y a du bleu aussi de l'autre côté. C'est aberrant. C'est, ouais, franchement, là c'est le mot parfait, je pense. C'est dingue, regardez-moi ce line-up. Huracan, RS3, 488, RS6, M4CS, Ferrari FF. C'est dingue. C63S, AMG. Leur Insta si vous voulez les suivre. Oh yo, ça tremble, c'est dingue. Regardez-moi ce défilé. GTR V6, hein, incroyable. Encore une GTR. Cette fois-ci, celle-là, je crois qu'elle est vraiment énervée. Je crois que c'est une Nismo en plus, hein. Non, il a ajouté l'aileron. Mais c'est magnifique, hein. Oh yo yo, c'est trop beau. Regardez-moi ça, ça continue encore tout là-bas. Il y a des bouchons de supercar. C'est fou. C'est même cette Porsche, elle fait pas partie du lot, mais qu'est-ce qu'elle est dingue. RS6. .488 encore, pareil que l'autre noir. Et la RS6 qui est là, oui, c'est une ABT en effet, avec le logo ABT juste derrière. RS6 RABT, ouais, elle est dingue. Elle est dingue, ouais, par contre il a eu un petit accrochage, ouais, c'est vrai. 488. .458 Spider, j'arrive même plus à parler. Là c'est vraiment dingue là. Regardez, ça continue. Ça continue là-bas et tout. C'est complètement irréel. C'est dingue. Ouais, RS6 RABT. Mercedes AMG GTR Pro. Hein? Non, je pense pas. Non, j'ose pas, je te jure, je vais pas. T'as partagé la photo? T'as vu le truc? T'as vu mon Insta? Moi, chopez-vous, les gars. Ah, oh, il y a double F12, non, mais c'est dingue. Les gars, on entend rien. La Tech Art. C'est. Elle est folle. Je peux lui filmer l'intérieur. Filmer juste l'intérieur. Voilà l'intérieur de la T-Cart. Les sièges Recaro, baquet. Elle est folle. Hein. Combien de chevaux? 660. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. GT Street R. 4 sorties. Elle est folle. Et là, il n'y a pas si peu, quoi. Là, GT4. Cayman GT4. Je vais attendre qu'elle bouge parce que. C'est complètement dingue.
leur Insta, tout ça. Il avait le Coyote. Le Coyote, ouais. La Carrera 992 avec ce wrap incroyable. Le Insta sur, le, sur la vitre arrière. Toujours la GT4. Mais t'es chaud, on va les choquer, on va les choquer. Mais vas-y, t'es le pro pour ça. Hein. Je veux la petite. Regardez la plaque de cette Audi RS6. Just old. Odle. C'est fou. C'est fou. Et regardez ce convoi. Il y a Deadpool. Il y a Deadpool, ouais. Il y a une voiture avec un wrap Deadpool apparemment. Il y a deux F12 au loin. Il y a une Nissan GT-R. Je crois que c'est la Nissan GT-R qui a le wrap Deadpool. La C63, pareil encore, qui descend. C'est vraiment, c'est irréel. C'est un truc de fou. Et soi-disant, il y en a 90. Il y a 90 supercars là. Là, on en a vu, je sais pas, une trentaine, non? Une vingtaine. Ouais. Vingtaine. C'est que le début là. C'est ça qui est fou. Regardez, F12. Deux F12 même, une jaune, une grise. En vrai, la jaune, elle est surpuissante. Elle est énervée comme jamais. Et la grise. La grise juste là. Elles sont dingues. Il y a une M2 qui arrive. Il y a une M2, c'est incroyable. C'est aberrant. Ah, il y a les flics aussi qui arrivent. C'est dingue. Regardez ce qu'on voit. Urus, Bullitt, F12, la M4 qui remonte, d'ailleurs qui remonte très énervée en plus. Et là, cette F12, elles sont dingues. La F12 jaune qui vient de descendre, je vais la suivre de ce pas. Parce que c'est lui qui fait les rêves hein, depuis tout à l'heure. La grise, elle en fait pas trop, pas des masses. Oh, c'est fou. Je coupe pas, hein. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose. Et là, et celle-là. Oh, la GTR qui vient de redémarrer. Compagnie de la 488, mais juste derrière là, celle qui est censée ressembler à la Deadpool, avec la plaque du coup. C'est fou. Donc les gars, voilà la fameuse GTR avec la plaque Deadpool et la couleur rouge qui fait référence à Deadpool. Elle est folle. Elle est vraiment folle. L'intérieur, je vous montre. Il y a son Insta qui s'affiche là. L'intérieur. Magnifique. Il y a une M2 qui arrive aussi. Aileron en carbone. Je sais pas combien elle fait de chevaux, normalement de base ça fait 500 et quelques. Celle que j'avais fait à Tresque, elle faisait 620. Je sais pas du tout. Et en plus, ouais non, c'est l'ancienne génération, c'est même pas la dernière. Mais elle est dingue. Et derrière, M2. Oh la M2, non mais c'est un délire. Regardez la Portofino, ce camo, elle est folle. On va aller en haut je crois parce que c'est vraiment, il y a du lourd là. Mais le camo, je voulais juste vous montrer le camo de cette Portofino, elle est dingue. Regardez, AMG GT encore, 570S. Derrière on a une M4 encore je crois, rose, enfin râpée rose et noir. Elle est folle. C'est fou, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais c'est fou. Je le redis encore une fois s'il faudrait. Elle m'a fait sursauter. La McLaren 570S. Magnifique. Et cette M4, regardez, le logo c'est Lidl. Le logo de la M4 c'est Lidl. Elle est vraiment trop belle. Hein. Oh. Petit combo d'RS4. Et je crois qu'il y en a une que mon pote connaît. Regardez-moi ça. Grinardo pour celle-là. Encore une RS4. J'avais pas vu qu'il y en avait 3.
c'est complètement dingue. C'est vraiment fou. Mustang de sécurité du race ball. C'est fou. Mais malheureusement, il y a les flics, donc ils vont pas accélérer. RS6. Regardez les pots qu'elle a, la GTR. C'est aberrant. Ah, j'adore le petit stickers là. Et la A45. Oh, le stickers dessus. Elle est pas très propre la Mustang, on est d'accord. Elle est vraiment énervée. Oh, yo, ce bruit. Et la perf. La voiture elle roule encore. Elle est pas très très propre celle-là aussi des M3. Deux, quatre sorties d'échappement. C'est une ancienne, mais qu'est-ce qu'elles sont belles quand même. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez-moi ça, elles sont jolies. Franchement, j'aime bien. Oh, c'est dingue, elle est dingue. Elle est. J'ai même pas les mots. Et c'est même pas une ligne, c'est la ligne d'origine, c'est ça le pire. Regardez ce qui est écrit sur le logo de la GTR, Godzilla. C'est insolent. Elle est dingue. M4 cabriolet. La Porsche du convoi, 992. Et là-bas, on a encore la pista qui revient. Regardez-moi ce convoi. La Tech Art qui revient. Et la S3, une M3, M3 compète, la dernière, en vert comme ça. La calandre, elle allume et tout, elle est dingue. Oh putain, et la i8, elle est monstrueuse. Mais c'est quoi? Non, c'est quoi cette i8? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais là c'est quoi cette i8? Shelby. Ah ouais, c'est... Elle est incroyable. Elle est vraiment... Cette journée-là, c'est fou. Et voilà, on aura vu les belles deux, nouvelle M4 et nouvelle M3. Comme dit qu'il y avait à l'extérieur.
Elle vient tout juste d'arriver. Oh, les valves ici sont... Ah ouais. Il y en a partout. Et la I8. Bugatti Veyron Super Sport.